Exemple, chapitre 33, le verset 6, la Bible dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes les armées, toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Nous voulons prier au souffle de l'Éternel de prendre le contrôle de nos visions, Seigneur. Ce chant est simple et dit « Souffle ». Pendant que nous serons en train de proclamer, de confesser que le souffle de Dieu prenne le contrôle de nos vies, je prie que l'atmosphère du ciel envahisse ta vie. On va le déclarer. Souffle. Come on, hey.
tu fais ces mimiques, l'esprit fait entrer en ce lieu. Fais-le. Pendant que tu fais ces mimiques, l'esprit fait ses premiers pas ici en ce lieu. C'est peut-être une maladie qui te tourmente, c'est une certaine circonstance, mais ce que je sens dans mon esprit, c'est que toi qui nous entends, tu subis ce que la parole dit. Derrière toute parole, il y a un esprit. Derrière les paroles de ce chant, il y a un esprit qui vient vers toi. Je voudrais, moi et la chorale et toi, pendant un certain moment, que nous puissions saturer ce lieu par des prières. Que tu lui parles et qu'il fasse entrer. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu, prier, et que l'atmosphère se libère ici en ce lieu? Le genre de prière des hommes spirituels. Le genre de prière des hommes qui connaissent Dieu. Le genre de prière des personnes qui savent provoquer le ciel. Quelqu'un a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, celui que craint, je prie le Dieu que je crains, le Dieu qu'on craint, le Père, le Dieu qu'on servit, le Père. Je suis ici en ce lieu, pas parce que j'ai voulu l'être, mais Dieu a prédestiné la guérison de quelqu'un. C'est une émission peut-être comme d'habitude, mais le miracle est en train de venir vers quelqu'un et une personne saisit la gloire de l'Éternel. Je sens que réellement ce n'est pas seulement une émission ou une prière simple, mais un esprit est disponible. Ces instants sont parce que tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es, nous allons faire silence. Je voudrais que tu gardes un calme sur le son de cette petite mélodie et que ton esprit réalise qu'en ce lieu est le moment exact de ton miracle. Je n'entendais pas ton amen et je disais, ce moment est le lieu exact même de ton miracle. Je disais à quelqu'un, le miracle que tu as longtemps attendu, c'est maintenant et aujourd'hui même.